Tu as quel âge, Sandra ? 45. Bon, à 45 ans, elle va 3 fois par semaine en accueil de jour. Elle fait pas mal d'activités, elle fait de la cuisine, du théâtre. De la cuisine. Pour devenir accueillante familiale sociale, il faut être à l'écoute des personnes. Savoir évoluer avec eux parce que bon, ben, on est là comme une famille pour eux. C'est-à-dire qu'en fonction de la pathologie, en fonction de l'handicap physique, eh ben, on fait en sorte que lui apporter le bien-être qu'elle a besoin. Marie-Thérèse aime beaucoup faire de tricot. Donc cette profession aussi amène à assurer un suivi médical et apporter un bien-être. Essayer au maximum, selon moi, de les faire évoluer. Le lundi, le mercredi, c'est le Scrabble, et puis le mardi, c'est le Secours catholique. Donc avec Sandra, nous avons fait pendant un an la langue des signes. Voilà. Car Sandra a une grosse surdité, presque à 80%. Donc avec Isabelle, on a fait aussi de l'espéranto. Les pierrodons, et en bonjour, c'est Pentagone. J'ai découvert comment on faisait des cartes en 3D. Donc cette année, on va faire des cartes en 3D pour le Nouvel An et Noël. Certains accueillis aussi aiment faire des activités à l'extérieur. Non, du tout. Le département met à notre disposition des travailleurs sociaux, la journée de cohésion et les formations. Et on a créé un groupe d'accueillants, d'accueillis. On se réunit beaucoup de fois, 2 fois, 3 fois au mois. On fait des sorties ensemble, qu'ils soient comme tout le monde. Ah oui. J'aime beaucoup apporter de la chaleur humaine. Pour moi, c'était une voie toute trouvée. Même si on n'est pas de la même famille, mais au moins qu'il y ait un amour commun de vie de chaque jour. Oui, c'est un métier de passion. C'est pour ça qu'on fait en sorte qu'ils aient la vie comme les autres. Ils ont beau être handicapés, ils ont droit à une vie comme les autres, quoi. Et on fait en sorte que...